Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Salut. Cette jeune fille-là, on l'a connue il y a 10 ans. Elle est arrivée 3e en finale de Nouvelle Star, mais première dans notre cœur. Voilà. Elle a tous les talents. Entre-temps, elle est devenue une chanteuse incontournable, une actrice césarisée. Et elle vient nous présenter son nouveau projet qui s'appelle Lost. Un album magnifique, aux multiples couleurs. Et là, vous allez vous en rendre compte. Bienvenue, Camélia Jordana. Merci. Poignée des bijoux, à mes poignées des bijoux.
merci beaucoup. Cette chanson s'appelait Dao et elle résumait assez bien. Je peux vous parler comme ça en vrai. Cette chanson s'appelait Dao, ce qui veut dire lumière en arabe. Et celle qui vient s'appelle Freddy Gray, c'est un hommage à Freddy Gray, qui est un jeune homme afro-américain qui a été tué quand il avait 25 ans en 2015. Il est mort suite à des violences policières, suite à une arrestation qui a très très mal tourné, où il a été donc très violenté, au point d'en mourir quelques jours après. C'était à Baltimore et après ça on a entendu parler de ces émeutes à Baltimore. Elles sont parties d'une marche blanche en hommage à ce type qui a été tué pour nulle autre raison que sa couleur de peau. Et j'ai eu très envie de mettre cet endroit-là en lumière, à savoir les gens payés par nos impôts qui sont censés nous protéger et qui en fait tuent les gens parce qu'ils sont pas blancs. Freddy Gray donc. All day long we would sing and cry. We gonna walk downtown again. Freddy Gray soul is lingering on. People are running in Maryland. Baltimore Bay, our eyes are closed. My head is down.
My head is down, 'cause I'm so afraid. We won't have to make a profile there. My head is down, 'cause I'm so afraid. We won't have to make a profile. La prochaine chanson est en français et elle s'appelle Freestyle. Chez nous, les larmes n'ont pas de langue. Trafiquante de rythmique gênante. Cette métrique m'est étrangère. Trac malheureux chanté en solitaire. Ici, ça rit, ça fume. Les poésies s'imposent même quand ça parle sale. Ça aime et ça diffuse. Si ça pique un phare, tes yeux, ça détale. Mes yeux saluent, mon cœur s'interroge. Y'a comme un truc en travers de ma gorge. Je garde un air courtois, mais ce qu'il y a dans ma tête pour toi, gars, tu sais pas. Les regards oubliés. Se poursuit depuis. Les regards oubliés reviennent si simplement s'installent. Le cristal se poursuit depuis, depuis. Le cristal se poursuit depuis. Les regards oubliés reprennent vie. Ça le cristal se poursuit depuis. Les regards oubliés.
simplement s'installe. Le freestyle se poursuit depuis. Le freestyle se poursuit depuis. Le freestyle se poursuit depuis. Le freestyle se poursuit. On va faire Pas ton temps. Pas ton temps, c'est une chanson que j'ai écrite qui est une espèce d'hommage à ma tribu féminine, à savoir ma mère, mes tantes, les femmes qui m'ont fait grandir et qui m'ont nourrie et qui ont fait en grande partie de moi la femme que je suis aujourd'hui, avec mes valeurs, avec mon mysticisme, avec ma vision des choses et du monde et de la vie, avec tout l'amour et la lumière qu'elles m'ont apporté. J'avais envie de les embrasser dans une chanson, ma grand-mère avec d'ailleurs. Et j'en ai profité pour embrasser aussi la Pensette, qui est la cité dont ma grand-mère a déménagé le jour de la sortie de mon album, Véridique. Pensette dans laquelle j'ai des souvenirs absolument magnifiques, notamment des scènes de cortège avec des mariages où on descendait des tours et j'avais l'impression que ça durait des heures et des heures, avec les femmes qui priaient et qui faisaient des zralit, c'est des youyou, et ça montait comme ça et ça prenait toute la tour, et voilà, et du coup ça avait sa place aussi dans cette chanson Pas ton temps. Là au calme, moi j'ai choisi les années calines aux abords. On m'a soutenu, porté, nourri d'or. Toi tu viens, tu craches et tu dors. Je blink, je clappe, je signe, j'échappe. Le seum d'avant, les voix du sang, mais les arlettes et le vent descendent de la Pensette, anime la Pensette, le cortège attend. Vivante la Pensette avec les arlettes d'antan. Descend de la Pensette, anime la Pensette, les arlettes et le vent. Yeah.
قبيلية تعرفنا عربية انا مستغيرة انا مكبيرة تعرفنا قبيلية تعرفنا عربية انا مستغيرة انا مكبيرة chanson nous a été émis l'idée de faire une cover. On nous a dit ouais, sinon les reprises c'est bien aussi. On a dit ok, et du coup on a fait ça. Vas-y, il y a bon. 3, 4. Marchons, marchons.
Merci, merci, merci. On peut les présenter avant qu'ils ne s'éclipsent. Reviens, c'est reviens, Jage. S'il te plaît. C'est Jage et Dany, au cœur, vous pouvez les applaudir très, très fort. Voilà. Il y a Everyday the Machine. Il y a Romain Lederbouka. Romain, en pleine forme. En pleine forme, Romain. Voilà. Merci beaucoup. Merci, les gars. Pourquoi as-tu choisi la Marseillaise en reprise ? C'est cette idée de... Enfin, le fait qu'on doive chanter une reprise, enfin, jouer une reprise... En fait, quand tu es en promotion pour parler de ta musique, les gens ils aiment bien que tu puisses aussi présenter autre chose que ta musique pour qu'on puisse un peu raccrocher les wagons. On est allé donc parler de cet album avec les doudous qui viennent d'être présentés dans une émission dans laquelle on nous a donc demandé de faire cette reprise-là. Et cette émission-là arrivait à un moment où sur les réseaux. J'avais une espèce de fachosphère surréaliste qui était à mes trousses. Après toi. Ouais. Ouais. Et parce que dans une interview pour Fresh, j'avais dit que je pensais qu'il y avait plein de gens de ma génération qui ne se sentaient pas forcément concernés ni se sentaient à l'image quoi, des gens qui étaient au pouvoir de notre société en France. En grande partie parce que la majorité de ces représentants-là étaient des hommes vieux, blancs et riches et que ce n'était pas forcément à l'image de cette génération-là, justement. Qui ne se reconnaît pas dans ces... Voilà. Voilà. Et donc, ça a été un peu la porte ouverte... À tout. Donc, je me suis un peu posé la question. Je me suis dit, une lettre ouverte, un truc, un machin. Et puis, en fait, avec les copains, on s'est dit, on n'a qu'à reprendre la Marseillaise. Ce sera le meilleur moyen de répondre à ces gens. Et en même temps, nous, ça nous permet de faire encore plus de musique. Donc, c'est cool. Très bien. Bonne réponse, en tout cas. les petites questions des internautes, tu es prête ? Ouais. Salut, les internautes. Ils sont là. Paul, bonjour Camélia. Salut Paul. Tu as intitulé ton album Lost. Oui. Es-tu perdue dans notre monde ? Je me suis sentie très perdue et sans repère, ni identitaire, ni politique, ni rien. À quel moment tu t'es sentie ? Il y a 3-4 ans. Enfin, au cours de ces 3-4 dernières années, en fait, avec tous les événements improbables et graves qui sont arrivés. Dans ce monde et dans notre pays et ailleurs d'ailleurs. Et du coup, je me sentais complètement paumée et je me sentais très, très, très down. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire ces chansons-là. Chacun des événements de ces 3-4 dernières années ont été des petites genèses pour chacune des chansons de l'album. Et à la fin, au fur et à mesure, plus j'écrivais et plus je trouvais un peu de lumière et j'étais à nouveau de plus en plus inspirée par ce que je voyais, par les élans, par exemple, de solidarité et d'humanité auxquels j'assistais, justement. Oui, parce qu'il n'est pas sombre, cet album. Non, justement, c'était un peu le défi. C'est qu'il ne fallait pas non plus que l'album soit simplement un résumé des quatre années très complexes qu'on a connues dans ce monde et dans ce pays, mais plutôt, justement, de dire qu'il y a quand même un message de « Ok, on est paumé, mais en fait... » Nous, notre génération, j'ai l'impression qu'on est quand même très lumineux. Il y a le fait qu'on soit tous connectés qui fait qu'on est toujours en recherche en fait, justement de lumière. C'est une génération, je trouve, qui innove, qui cherche, qui invente, qui crée. Et j'avais aussi envie de raconter ça. Florane. Salut Florane. Salut Florane. Elle est là. Enfin, elle s'appelle Florane aussi. Tu chantes en français, en anglais ? En arabe, ouais. Est-ce que c'est un choix uniquement esthétique ou une manière de revendiquer une identité plurielle ?
La démarche de revendication est rarement une démarche qui m'intéresse ou me drive, et encore moins artistiquement. L'idée, à la base, tout l'album était en anglais, et puis comme l'idée de cet album était de me positionner, de positionner ces chansons un peu comme un témoignage de la silhouette sociale dont j'épouse les contours. C'est joliment dit. À savoir. À savoir une jeune femme française, algérienne, avec une gueule d'arabe en France, à Paris, ces dernières années, au cours donc de tous ces événements-là. Et ça a fait que très vite, en fait, on s'est dit, mais non, c'est évident, il faut qu'il y ait du français dans cet album-là. Et la musique africaine a beaucoup influencé cet album. La musique orientale aussi. La musique orientale aussi, ouais. Et du coup, assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, quitte à avoir plusieurs langues, il faut forcément qu'il y ait une langue africaine là-dedans. Et celle dont je me sens la plus proche et que j'ai dans l'oreille depuis petite, c'est l'arabe d'Algérie, qui du coup a pris sa place. De Constantine. De Sidi Balabès, très Sidi exactement. Balabès. Ouais, côté Oran. Et donc ça, c'est pour la raison artistique, en tout cas en termes de création. Et pour ce qui est du chant, ce qui est très agréable et très confortable, c'est que du coup, je ne suis pas frustrée vocalement, dans la mesure où j'adore chanter comme j'ai chanté sur mes deux premiers albums. Quand je chante en français, il y a quelque chose de beaucoup plus délicat, beaucoup plus précis, un truc sur le souffle, sur le vibrato, il faut que ce soit très doux. Dès que je pousse en français, ce n'est pas forcément émouvant, quoi, du tout. Donc, étant donné que c'est une chose que je peux me permettre de faire en anglais sans que ça sonne louche, voilà, je pouvais me permettre de chanter beaucoup plus large et beaucoup plus grand et faire des vibes, parce que quand même on adore faire des vibes. J'adore faire des vibes. Et pour ce qui est de l'arabe, du coup, pareil, ça apporte une certaine largeur, mais il y a toujours. L'arabe, c'est quand même une langue où quand on espère, on est obligé d'évoquer Allah, Dieu. Moi, je suis pas musulmane, je suis agnostique, mais j'ai grandi quand même dans le culte de l'islam et tout. Et je trouve ça déjà magnifique qu'il y ait une langue. Où en fait, pour espérer, ben, on évoque Allah, quoi. On évoque Dieu et on évoque sa foi. Et sans rentrer dans une question de croyance en Dieu ou non, je trouve que le fait qu'une langue n'existe pas sans la foi de l'être, en fait, je trouve ça vraiment très, très beau. Donc, ça implique et ça impose un certain mysticisme, en fait, à chaque fois que je chante en arabe, pour moi. Tes chansons ressemblent un peu à des prières. Cool. C'était... Non, mais je l'ai vrai. Travaillé. Tu l'as travaillé. Ça fait très plaisir à entendre. Loïc, peux-tu nous parler des différents thèmes abordés dans Lost ? Parce que dans Lost, donc tout à l'heure, tu parlais des émeutes de Baltimore. Il y a les émeutes à Baltimore et il y a cet hommage à Freddie Gray. Il y a quoi ? Les contrôles aux faciès, il y a des bavures policières. Des attentats. Il y a les attentats, mais c'est survolé en fait, c'est-à-dire que c'est une petite graine qui a fait qu'une chanson a grandi et est devenue une chanson, mais à aucun moment dans mon album, il y a bavure policière, il y a attentats, il n'y a pas ce goût-là en fait. Il y a le parfum de ça à un endroit, mais ce n'est pas une chose qu'on a en bouche quoi, quand on écoute ou quand on chante les chansons. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Gangster, qui serait la voix d'un peuple qui s'adresse à un leader politique en l'invitant à regarder derrière lui, parce que quand même il est temps, hein, de regarder derrière un petit peu. Chanson qui a été écrite il y a 3-4 ans, donc étonnamment très à propos ces temps-ci. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Voilà, il y a une chanson qui a un hommage à la femme et aux femmes en général. Il y a une chanson qui s'appelle A Girl Like Me, qui est aussi féministe dans l'idée, mais dans lequel, par exemple, je dépeins trois tableaux, dont celui, par exemple, d'une femme vivant dans la rue voilée d'un drapeau américain, qui est un tableau que j'ai vraiment vu. C'était, je pense, une réfugiée syrienne qui était avec son mari et ses enfants, et elle était voilée d'un drapeau américain. C'est en termes de sens, c'était juste surréaliste. On aurait dit un tableau de Bacon ou un truc dans le genre, je sais pas, c'était surréaliste. Et d'autres femmes encore qui sont dépeintes dans cette chanson-là. L'idée était aussi d'évoquer la notion de frontière, de destinée, de selon simplement l'endroit de la terre où tu es né, évidemment la famille dans laquelle tu es né aussi, mais
l'endroit de la terre où tu es né, ben, ta vie ne sera clairement pas la même, tes droits ne seront pas les mêmes. Et toi, c'est le sud. Moi, je suis née dans le sud de la France, ouais. Pas d'accent. Non, rien. Mais quand j'y retourne, je l'ai beaucoup plus que ce que je ne l'avais quand j'y vivais. Je n'ai pas suivi. Non, okay. On peut tromper mille okay. fois une personne. Non, okay. Malik, avec Lost. Salut Malik. Tu prouves que tu es une artiste engagée. En quoi c'est important pour toi? Merci. Je ne cherchais pas à le prouver, pour le coup, mais je suis contente que ça se ressente. Comme je disais, en fait, c'est qu'il y a eu un grand, pour moi, en plus du sentiment d'être paumée, il y a eu un grand sentiment d'impuissance, en fait, il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à écrire ces chansons. Et je vivais très mal, particulièrement, cette crise des réfugiés, de gens qu'on appelle migrants, comme s'ils avaient choisi d'aller dans les Pouilles parce que ça a l'air joli et qu'il fait bon, alors qu'il s'agit de gens qui fuient des pays bombardés par nos bombes et nos armes suite à des accords qui ont été passés avec des dirigeants au pouvoir qui eux-mêmes n'assument pas du coup la conséquence de leurs actes et de leurs décisions et donc n'assument pas les conséquences en question qui sont que ces gens fuient les pays en question étant donné qu'ils n'ont plus de maison et qu'ils ont perdu beaucoup de gens de leur famille et que du coup ils se sont dit bon on va peut-être faire autre chose. Et tu as perdu le fil? Non, j'ai pas perdu le fil, je l'ai toujours. Attention, j'ai beaucoup de débit, beaucoup d'idées dans la tête. Et tu et parles je tiens beaucoup. Toujours très bien mon fil. Voilà. Non, et du coup, c'est juste que cette période-là où en fait, je l'ai pris en pleine figure, ce truc de oh là là, mais en fait, il y a des gens qui arrivent par vagues et qui meurent et on ne s'en occupe pas et qui meurent dans la mère ou qui meurt dans la rue ou qui meurt je ne sais où en bas de chez tout le monde. Voilà et en même temps avec les médias et beaucoup d'informations concernant ce qu'on a délicieusement appelé la jungle qui est un endroit où donc ces gens vivent qui est donc un camp de réfugiés qui après des années n'est toujours pas aux normes gouvernementales alors qu'il y a plus de 80 millions d'euros qui ont été donnés de l'Angleterre à la France pour justement parquer ces gens et les garder à tout prix en France et pas les laisser passer la Manche et arriver en Angleterre. Alors que, par exemple, Grande Sainte, Damien Carême, gros big up, merci, bravo, on adore ce que vous faites, continuez et grosse force à vous. C'est le maire de Grande Sainte qui, en fait, une fois qu'ils ont commencé à démanteler le camp de Calais, dans le sud, en fait, il y a toute la partie du sud, donc les Iraniens, les Érythréens, si je ne dis pas de bêtises, et les Irakiens, et les Kurdes, qui ont commencé à aller du coup à Grande-Synthe, qui est une ville à peut-être 30 km, je crois, de Calais, ou 60 peut-être, mais en tout cas, voilà, à moins une heure, un truc comme ça, en voiture. Et donc, Damien Carême, maire de cette ville, a en fait pris de l'argent de la ville, à savoir donc les impôts de ces gens, plus de l'argent de Médecins Sans Frontières, et avec donc 3 millions d'euros. En une semaine, il a monté un camp aux normes européennes. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses en fait qu'on ne sait pas, mais que du coup j'ai appris en allant sur place, parce que justement voilà, j'avais ce trop-plein de ne pas comprendre ce qui se passait, de ne pas voir de mes yeux. Et voilà, je me suis dit qu'en fait, en 39-45, il y avait des Polonais qui n'avaient jamais entendu parler des camps et qui voyaient des trains passer tous les jours devant chez eux. Et voilà, et moi, je vois tous ces gens dans la rue mourir tranquillement. Et toi, tu te sens concernée. Froid. Et en tout cas, je me sentais pas assez concernée directement. En tout cas, je me sentais témoin et uniquement témoin. Et voilà, tout ça pour dire que c'est voilà, tous ces sujets-là qui m'ont bouleversé, qui prenait trop de place pour répondre à Malik. C'était Malik le dernier qui posait sa question. Non. On est passé à qui? On était passé, tu sais quoi? Oh mais si. C'est Malik. Tu vois, je t'ai dit, j'ai toujours le fil. Tu gardes le fil, toi. Tout ça pour dire, hein, donc pour répondre à Malik, que l'idée d'être une artiste engagée, c'est pas un désir, mais simplement ce grand sentiment d'impuissance qui a fait que du coup, j'avais besoin de voir ce qui se passe et je pense que c'est le cas de plein de gens de ma génération aussi qui du coup passe nos journées sur le téléphone, soit à travailler, soit sur les réseaux, soit et donc on vous a êtes de l'information vous êtes en continu et donc ça fait qu'on voit en fait tous les mots de notre monde. Donc il y a un moment où oui, on se sent concerné et de fait c'est venu influer ma musique quoi. On va être obligé de se quitter. Parce que je parle beaucoup. Désolée pour tous les autres. Pouvoir te poser toutes les questions qu'il y avait, ouais. Mais on est pressé par le temps. On peut dire que j'ai tellement parlé que j'y ai un peu répondu, d'une certaine manière. Aux autres questions? Ouais. Oui, elle a répondu à toutes les questions? Oui. Nice. Voilà. Merci beaucoup, Camélia. Merci à toi. Merci beaucoup. On montre l'album.
Lost, il est là, cet album. L'album de Lost, de Camélia, Lost.